Et salut à tous, ici Silver, bienvenue pour cette cinquième partie de Paper Mario The Origami King. Alors attention, vous ne me voyez pas, mais normalement, oui, effet pyrotechnique incroyable. Oui, alors pourquoi est-ce qu'on met du budget sur les animations? C'est qu'en fait, j'ai un petit problème que j'avais un peu anticipé, mais que je pensais pas que ça allait être aussi problématique, à savoir que j'ai mis littéralement 2 jours, et quand je dis 2 jours, c'est 48 heures, pour uploader la précédente partie. Donc, pour des raisons techniques, les petits fondus rigolos comme ça, on va les faire sur OBS, comme ça je vais avoir un fichier qui sera 4 fois moins lourd. Et j'annonce tout de suite, on va faire temporairement des épisodes de 35 minutes, histoire que vous imaginez pas à quel point 5 minutes, c'est 1 heure d'upload maintenant. Donc, on va se permettre de faire des vidéos un peu plus courtes. Mais bon, concentrons-nous, la dernière fois nous en étions arrivés dans cette fameuse plaine dont j'ai mangé le nom. On avait fini les événements de Toadville et on allait continuer simplement à se diriger vers l'endroit où se trouve visiblement ce qu'on appelle le serpentin rouge, parce qu'il y a 5 serpentins qui se baladent. La prairie picotin, d'accord. 5 serpentins qui se baladent et qui entourent le château. Et donc, ben, on va continuer dans l'ancienne éternité. Alors, ne vous inquiétez pas, donc forcément le décor a changé, c'est normal, j'avais prévenu, je suis revenu chez moi. Vous inquiétez pas également si je regarde vers le haut et non pas vers la droite, parce que l'écran que je regarde pour jouer est en haut. Donc c'est normal que je vais avoir la tête levée constamment, ça va être très bizarre pour vous, mais bon. Ouvrez vos chakras, bordel de merde. Et nous allons donc nous réchauffer un petit peu en faisant un petit combat que j'ai complètement raté j'ai complètement raté l'amorce. Alors là je suis. Alors je peut-être un petit peu énervé, on va dire, parce que ça fait 1 heure et demie que j'essaie de paramétrer des choses qui ne marchent pas. Pour vous dire actuellement, vous aurez peut-être un petit écho parce que. Parce qu'en fait, je suis sur une télé dont la télécommande ne marche plus. Donc je peux l'allumer et l'éteindre, mais je ne peux absolument pas changer le son. Donc, j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais pour qu'il n'y ait pas trop d'écho. Donc, s'il y a un peu d'écho, je m'en excuse. Voilà. C'était un début de vidéo très laborieux, mais on y arrive enfin. Hop. Donc, globalement, j'ai un souci pour tout ce qui est Metroid. Je profite tant qu'on est dans le combat pour ça. Donc, forcément, bah, Metroid, ça va être un petit peu compliqué pour. Alors, ok, je vois. Ok, hop là. Pour ce qui est Metroid, je voulais penser le faire en alternance. Le problème étant, bah, je peux pas parce que il me faut 2 jours pour uploader une vidéo. Donc Metroid, ça attendra que je revienne à mon appartement pour pouvoir les uploader correctement. Ceci étant dit, maintenant, je crois que j'ai à peu près tout dit. J'ai bien perdu quelques minutes. Oui, un petit dé! J'ai bien perdu 5 minutes pour essayer de régler tous les problèmes techniques. Maintenant, on va se concentrer. Moi, j'ai envie de m'amuser parce que bordel de merde, j'ai envie de jouer à ce putain de jeu. Ça fait 2 jours que ça a rien qui marche. Donc, à un moment. Là, mon ordinateur, il s'est pas arrêté d'uploader juste pour une vidéo. Disons que j'avais autre chose à faire. C'est pas que j'avais d'autres jeux à côté, mais. Et que j'avais pris suffisamment d'avance. Donc alors c'est quoi ce truc en bas à droite? Parce que là on voyait sur la carte. Starblast, est-ce que Starla, il y a non, juste des confettis. Hop. Ah Mario, je savais pas que t'étais croyant. Tu es venu chercher le salut toi aussi? On a un problème! Alerte, alerte, on a un vrai problème! Oh là oh là là, du calme, c'est quel genre de problème? Un petit ou un gros? Un énorme! Un énorme! Quoi? Bon, alors là on a le petit cid qui se balade. Alors lire. Temple de la Terre. Rencontrer l'esprit de la Terre. D'accord. Priez et surtout faites des dons. Alors, par là. Alors là, on a le serpentin qui nous bloque la voie. Oh non, cette petite pauvre maison est prisonnière du serpentin. Je crois que ses habitants étaient à l'arrière lorsque c'est arrivé. Ce serait vraiment terrible pour eux.
Eh oh, je sais pas s'il y a quelqu'un, si vous entendez, mais je pouvais vous dire qu'on allait vous sortir de là. Ne bougez pas, laissez-nous faire. On repassera quand on aura détaché le serpent rouge. Voilà qui devrait les rassurer. Soit il n'y a personne dedans. On dirait un peu la maison Tot qu'on avait dans Color Splash, celle qui avait à côté de la centrale. Hop. Ah. Merci Mario, tu te demandes peut-être où j'ai trouvé le temps d'écrire ce mot. Moi aussi. Trop drôle. On se voit pas assez souvent des lettres, hein, tu ne trouves pas? C'est pas tout ça, mais il faut que j'appelle mes parents pour leur dire que je vais bien. Alors ça c'est quoi? Merci pour cette invention, il m'a beaucoup aidé à me retrouver. What? Ouais, c'est à quel sujet? Ah, je vois que tu interroges juste cette maison juste là, hein. Je comprends rien de quoi. Ta mère, elle est habitée par un original. Un Tot qui passe son temps à bidouiller des machins scientifiques incompréhensibles. Je dirais bien d'aller regarder par toi-même, mais tu pourrais pas rentrer, la porte est bloquée par cette espèce de serpentin rouge. D'accord. Alors là-bas, il y a... Il y a un coffre, mais je pense qu'on y aura accès que... Oui, il y a une pente là-bas derrière, donc je pense qu'il faut avoir pété le serpentin avant. Alors je crois qu'il y a un Tod, là le papillon qui a les couleurs de Tod. Je pense que c'est un Tod, on va vérifier tout de suite et... Gagné! Je commence à avoir des crampes là! Pion, c'est vraiment épuisant en fait! Il continue! Ah, et ben là... Je vais pas te dire que rester chiffonné pendant tout ce temps, ça rendra vraiment blablabla! C'est paradoxal! J'aimerais bien pouvoir utiliser un champignon pion sur Y, moi aussi, et commander une pizza avec B. Quoi, ça sert pas à ça, B? Je sais que c'est de l'humour à deux balles, mais putain, mais... Je suis tellement le public. Ah! Allez, TG. What? Ok, alors attends, quoi? Bon, on va faire ça. Ouais, oui, tout simplement. Je pensais que c'était plus simple, enfin plus compliqué que ça, mais non, c'est juste. Je me demande si au bout d'un moment ils vont arrêter de nous montrer. La solution. On a quand même une petite préférence pour le thème de Color Splash, mais il en jouait bien ce thème, on va pas se mentir. Alors, je vois un papillon Tod là. Alors, je pense qu'il va manquer des choses là pour faire appel à atterrir. Encore ? Attends, j'ai un problème de perspective. Allez, j'y suis presque là! Ah, tu m'as vu, j'arrive à m'envoler pendant une microseconde! Ça s'appelle sauter. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Qu'est-ce que. Paf! Je veux dire, viens te battre! Je veux dire, viens au labo de combat pour t'entraîner à la bagarre! Bref, viens au labo! Il est à Toddville, juste à côté du musée. Votre labo est à Toddville, mais comment allez-vous faire pour rentrer? Bah c'est simple, il y a un tuyau juste un peu plus loin qui relie directement cette région à Toddville. Du coup, j'ai utilisé pour rentrer, je vous attendrai dans mon labo, d'accord? Oh, j'ai pas oublié une promo spéciale en ce moment. Tenez de vous inscrire, recevez un joli cadeau. Un joli cadeau? J'adore les jolis cadeaux. Il ne faudrait surtout pas qu'on oublie d'aller profiter de cette offre, d'accord Mario? Donc je suppose que ça c'était la maison qui était avec le marteau et le... Enfin le c'est pas le marteau, si c'était le marteau? Je doute. C'était dans la semaine où... Attends, y a un point de sauvegarde. Oh regarde le serpentin! Il va jusque tout là-haut! C'est vrai que tu penses, ce sont tes jambes qui vont faire tout le chemin après tout. Oh c'est super grand. Oh, qu'est-ce que je raconte? Je suis sûr que tu vas y arriver. Je suis tout cœur avec toi. Tu as mon soutien inconditionnel.
Je fais juste un truc, c'est qu'est-ce que... Oui. Ding 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 dong bling blong. Un labo de combat a ouvert à Toadville. Je vais quand même faire demi-tour parce que c'est pas là où je voulais venir à l'origine. Mais le bon Belvédère, c'était là où il amenait le sort de petit téléphérique, je crois. Donc c'est pas une nouvelle zone. Alors, ouais, d'accord. Donc là, il y a encore des trous. Enfin, je pense que là, on a... il y a toute la partie tout en bas à droite que j'ai pas explorée. Voilà, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Tu feras tous les arbres que tu croises, c'est juste celui-là qui t'a inspiré! Et il s'enfuit de l'écran. Ok. Pourquoi y a-t-il un... J'aime bien la référence, c'est... Attends... Pourquoi y a autant de Toad? Pourquoi c'est en plein milieu de la plaine? Pourquoi là? Ah, bah oui, d'accord. Surprise, hein? Mais il en est presque content, il s'est fait transformer, mais en mode... Ah, tu l'as pas vu, celle-là? Ah, d'accord, mais en plus, il peut y en avoir dans les trous. Allez, fais comme moi, je te promets que c'est amusant! Ah, par contre, c'est pas un Toad. Et paf, un petit coup! Oula. Je suppose que c'est simplement ça. Ok. Donc... Pof, pof, pof. Et après un coup de marteau. Et toujours un million de pièces. Et pour l'instant j'en utilise assez peu. Est-ce qu'on peut tomber là-bas derrière? Je retournerai un petit peu plus tard. Là je vais descendre. Dans ces deux, dans ce petit truc en bas là. Je vais pas faire tous les combats, attention, les combats ne servent à... Les combats ne servent à rien, ça sert à rien de... Il n'y a pas de pex ou quoi que ce soit. Ah. Ah, c'était un Toad ça, d'accord. Ah. C'est alors, je reviens pas à ce qui vient de se passer. J'ai même pas nagé en vrai. Ça. Bon, déjà, on n'est pas dans la même zone. Oula. Qu'est-ce que c'est que cette porte? Attends, là, on... Comment on accède, là? Je pense qu'il faut ouvrir le parasol. Ok. J'aime bien l'argent. Mais quand même, c'est un peu exagéré. Accessoires, solidité, efficacité, qualité. Bon, déjà, qu'est-ce qu'il fait là? Attends, je vais monter sur là. Hop là! What? Merci Mario, mais si tu cherches le désir de bonne aventure, t'es tombé sur le mauvais Toad! Moi, je vends juste des accessoires! Solidité, efficacité, qualité, garantie! N'hésitez pas à passer dans la boutique à Toadville! Et donc, le stand là qui est juste là, il sert à rien? Ok. Ah, il y avait un obstacle. Eh ben on peut dire que ta curiosité m'a sauvé, hein. Oui, je comprenais pas, il y avait un truc qui me bloquait, donc... On a un vrai grand problème, Mario. La porte du temple est fermée, plus personne ne peut entrer pour faire des dons. Elle sera adorable que lorsque la 5 carapière sera à nouveau en place. Les 4 ont disparu, et ce mécréant essaie de la voler la 5ème à son moment même. On n'a rien à empêcher, mais on est des coupards. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, lui rentrer dedans en marchant? Bah... Oui. Concrètement, oui. Attends, là, il y a un truc, là, je le vois. Ok.
Alors déjà, est-ce qu'on peut aller là? Ok, j'ai juste une pièce. D'accord. Vous avez vu les copains, on est sauvés! Vous savez comment on va le remercier? En l'assistant de toutes nos forces dès qu'il l'appellera en combat avec Y! Hein? Oula, oula! Oula, il y en a plein! N'oublie pas d'appuyer sur Y! Et ça a compté. Oh putain, 37 points Todd! D'accord, je me demande la question. Enfin, la question que je me posais, c'est est-ce que chaque Todd individuellement compte comme un. Comme une entité? Bah, visiblement oui. Ah, il me faut un peu plus. Attends, on va péter. Attends, y'a pas un truc à péter. Je passe par un seul, y'a pas de. Pas de confetti. Bah, il en avait pas déjà de base. Ah, mais c'est un tuyau ça en fait, j'ai un tilté. J'avais pas compris vu la forme, mais en fait, non, c'est un tuyau. J'ai comme Mario! Quand ça se voit que c'est pas la première fois que tu te sers de marteau! Faudrait que t'as le même genre à porter des accessoires tellement c'était stylé! Du coup, j'ai pas besoin de t'expliquer qu'il faut appuyer sur plus pour voir le menu et équiper des accessoires, pas vrai? Bah, effectivement. Bref, bon, bah, Bonjour! Petite musique de mini-boss, je sais pas. Non, c'est même pas un combat par vague, donc. Redisposer les ennemis. Le temps passe vite hein, quand il faut redisposer les ennemis. Hein. Mais pareil, quand maintenant plus, tu peux ajouter du temps en minuteur en dépensant des pièces. Ah, d'accord. Tu peux plus tu appuies longtemps, plus ça gagne du temps. Et plus ça coûte cher aussi. Donc, il faut utiliser ces options avec modération. Le temps, c'est précieux. Alors là, je. J'ai pas la moindre idée. Bon, on va utiliser les supporters. Ah, mais c'est. Mais en fait, c'est tout con. Pourquoi je me suis cassé la tête? Ok. Oui, après. Merde. Allez, merde. Je peux pas. C'est un peu con d'ailleurs que j'ai dû avoir besoin de ça. Bon, j'ai tellement de pièces à un moment donné, faut les bien les utiliser à un moment. Ok, il commence à avoir du monde les gradins. J'essaierai bien leur masque. C'est un peu s'ils font des petits commentaires à chaque fois sur chaque. Mais ça veut dire quoi que le public qu'on va avoir il va évoluer uniquement selon Serpentin ou genre on change de Serpentin et. La dernière fois que j'ai vu un truc aussi impressionnant, c'était dans le film promotionnel sur les Splits. T'as l'intention de le regarder, hein? J'ai pas envie de te spoiler ce qui se passe. Mais avant de le regarder, il faudrait absolument que t'aies vu l'expo, hein. Mais pour ça, il va falloir les carapières maintenant. Oh là là, quelle frustration! Il faut vite qu'on voit l'expo pour pouvoir regarder ce fameux film. Trouvons ces carapières en vitesse. Les coupards ont déjà fouillé cette zone de fond en comble. Elles doivent se trouver ailleurs. D'accord. D'accord, donc je suppose que ça va être un fil rouge de l'aventure. C'est une machine à popcorn, ça ou... Ok. Alors, attends. Hop. Alors là, il y a une souris. What? Ok, je suppose que là ça passe derrière, ok, oui. Tiens. Donc des souris. Ah, il y a juste une ligne. Alors, ça devrait aller. Hop là. Waouh, il a fait un truc incroyable. Il a bougé deux personnes. Deux souris en plus. Ok, il y en a un qui est vraiment pas attentif parce que chaque fois c'est. Il a réussi, je regardais pas! Tout le temps. N'oublie jamais d'équiper tes armes, Mario! Je sais de quoi je parle! J'en ai fait les frais.
Ça descend là? Non, ça va pas là descendre. Ok, bon bah. Et j'ai toujours pas trouvé tous les Toads de la zone. C'est-à-dire qu'il en manque encore un quelque part. Pas un. Je dis un, mais ça se trouve, il y en a plus. Hein. 63%! Il y en a beaucoup plus, au secours! Peut-être qu'il sera à l'intérieur de l'expo, mais. Ah, ça pique! Ah, cette impression d'avoir rien fait! Alors attends, là j'ai fait. Non, j'ai un trou. Ah, tous les trous sont bouchés. Ah, là. Non, ok, ça c'est juste un point. Est-ce qu'il va y avoir d'autres fleurs? Ouais. Enfin, c'est pas une fleur, mais c'est. Pardon. J'espère que tu t'attendais pas à tomber sur une carte de trésor! Non, justement. Alors là, il y a un petit truc sur le mur. Est-ce que je peux taper le mur? Non. Pas pire. Ah, c'est trop bien de volter! Maintenant, il se passe plus rien quand je jette les bras. Alors, est-ce qu'il y a d'autres papillons? Effectivement, les papillons, je suis passé un peu à côté en sachant pas ce que c'était. Alors là, je crois qu'il n'y a plus rien. Où tous ces Toads? Parce que là, ça veut dire qu'il m'en manque. Attends, je suis passé de 63 à 67. Ah, il doit m'en manquer une dizaine, quoi. Ah, ils sont peut-être là-dedans, effectivement. Ouais, donc, tout n'est pas forcément là. Oui, bon, vous avez compris. Bon. La face derrière. La question que je voulais me poser, effectivement, c'est. Ouais, d'accord, il y a un autre trou là comme ça, donc je pense que c'est pas. Pas. Ah, le ciel, le soleil, l'air pur, je suis libre! Ah, oui, on peut bien tomber. Je suis pas fou. Oh l'autre est... Attends, j'ai compris, il faut que je laisse ceux du bas. Hop là! Ah mais c'est toi, si j'avais su, je t'aurais fait tout fait pour faciliter la tâche. Tiens, laisse-moi t'offrir ça pour me faire pardonner. Là, ah, une pièce. Alors oui, et on sort... C'est... Oui, on sort là. J'ai tout fait ici. Ouais, bon, bah il manque des Toads quelque part. Ah, bah genre là, par exemple. Merci Mario, je commençais vraiment à avoir faim. Sous l'air, peut-être. Ouais, bon, là, ils vont commencer à être dans des... Ah. Dans des endroits au schnapps. Non, pas totalement, il y a encore des arbres. Alors c'est comme ça qu'on fait, descendre un truc coincé dans un arbre, j'aurais appris quelque chose aujourd'hui. Tellement aura possible encore. Je vais partir du principe qu'il y en a dans la maison. C'est juste que je peux pas encore, mais. De toute façon, il faudra que je revienne ici puisque le serpentin pour l'instant me bloque le passage donc. Alors. Tour Belvedere, c'est là-bas, Mario tout droit. Il y a qu'à suivre le chemin. Ah mais d'accord. Tu sais le chemin vers le sommet, t'as aucune raison de te perdre. Ça c'est merci de pas demander combien de temps je suis resté planté là. Attends de dire ça. Ding dong bling dong. La boutique d'accessoires a ouvert à Toadville. Je vois le tuyau. Si mon tuyau est en haut. Tas d'herbe. What? Les appels à l'aide télépathique ont été entendus. Je savais que ça fonctionnerait si je me concentrais très 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 fort. En même temps, t'avais une nerf qui bougeait.
Hop, dégage. Oui. Ça va, ça devrait pas être le bout du monde. Hein. Hop là. En vrai, j'ai vraiment hâte de tomber sur un vrai boss parce que déjà, j'avais pu comprendre que les teasers dont on parlait montraient que les boss étaient se résolvaient de manière assez originale. J'ai eu pas mal d'échos de mes collègues qui disaient ouais, franchement, je pense que tu me diras quand t'auras fait le premier boss, puisqu'on connaît ton avis, parce que ça a l'air d'être suffisamment important pour que. Hop là. Hop là. Un iris. Donc là, ça va être full marteau. Ou le saut de pierre. Oh le piège! Oh le piège! Oh, oh c'est. Attends. Bah non, en fait, non, je fais de la merde. Je fais de la merde. Je pense que c'était exprès pour nous piéger, mais. J'ai les bottes de fin. Alors, vu que je l'ai utilisé, est-ce que je peux toujours. Ouais, je vais. Fuite, fuite! On le déclenche. Ah! Ah! D'accord, super, ça fait plaisir de savoir que j'ai acheté un truc pour rien. Les insectes sont vos amis, ils ne courraient pas vers eux, ça leur fait très très peur. Ouais, je fais gaffe, le banc est pas là. J'ai failli aller dedans sans m'en rendre compte. Ah mais oh, c'est un banc de luxe, hein. Ah. Écoute, quand t'entends l'oreille, on entend le murmure de la rivière, c'est agréable. On me concentre bien, j'ai même l'impression d'entendre sauter les poissons. Bon, est-ce qu'on a tout fini ici? C'est juste le banc, d'accord. Ah, derrière. Voilà. Oh là, des tas de partout là. Merci Mario, je commençais à plus sentir mes jambes. J'ai les réflexes, je pensais que Patrick t'arriverait à me libérer. Ouais, tout doucement, donc c'est simplement une petite pression sur le stick et puis. Hop là. Expérience horrible, à chaque saut j'étais pris d'un vertige effroyable. Oula. What? Ok, alors attends. Là ils sont à l'envers, donc ça veut dire que j'y vais avec les bottes de base. Ouais, la fleur de feu, vas-y! C'est vrai que je pourrais la fleur de feu, mais enfin, ça a pas d'intérêt en fait. Ouais, donc les potes sont pas tout à fait au même endroit à chaque fois. C'est globalement les mêmes toads à chaque fois, mais. Hop là. Oula, un Goomba, un paragoomba. T'es touché? Oh, j'ai touché. Oula, Parfait. Bon, on va faire le saut, c'est bon. Pof, 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 pof. Alors je m'excuse d'avance si jamais vous entendez un peu du bruit de manette, forcément la manette est sous le micro donc vous avez. Oh merde, ils sont pas morts! Ils sont pas morts!
Attends, essayer de les calmer d'abord. Ah, c'est la première fois que les ennemis nous résistent un peu. Ok, ah, il y en a un qui est mort parce que je l'avais déjà blessé avant. Tour de l'ennemi. Allez. Ils attaquent tous. Ok. Bonne question. Si, je vois. Ok, donc on va simplement sauter. En tout cas, voilà, c'est le premier ennemi qui ne meurt pas en un coup, donc il faut penser à tanker la phase de... La phase de défense. Et donc ça répond bien à ma question. Ah, j'ai raté, non c'est pas grave. L'attaque préventive qu'on fait au début du combat ne touche que le premier adversaire. C'est tout. C'est vrai que c'était déjà souvent le cas comme ça, mais... Bon, alors attendez. Oh, attendez, t'as, je l'ai vu. Bah ça va, maintenant c'est à mon tour de te sauver, Mario. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je donne celui d'accéder à la mine d'information en appuyant sur moi. Et c'est pour voir, je te garantis que tu pourras presque tout savoir sur presque tout ce qu'il y a à savoir. Donc effectivement, oui, sur moi, donc je crois que j'avais déjà utilisé, mais il y a tout ce qui est tutoriel. Et je vais pas trop y aller parce que ça spoil des trucs. Mais voilà, globalement, ils ont fait un menu aussi rigolo que celui qu'il y avait dans Color Splash. Color Splash, c'est pour l'instant le menu Wii U. Enfin, le menu... Enfin, comment ça s'appelle? Le guide numérique le mieux fait de tout le jeu Wii U, je trouve. Avec la petite musique, il est super bien animé. Il est vraiment joli, ce tuyau. J'aime beaucoup cette belle couleur rouge. Je pense que c'est celui dont Todd Shinger nous a parlé. Moi, je dis que c'est facile. Et donc ça doit me ramener... Dis-moi, attends, tu as cru un petit peu en imitation caillou ou pas du tout? J'ai même pas fait gaffe si t'es pas un caillou. C'est pour savoir si tous ces comptes comédiens finissent par payer. What? L'arbre qui... Ah, les arbres peuvent être cassés aussi, hein. Faut faire gaffe. Attends, là, y... Ok, ah si, y a un petit chemin. De l'argent, encore plus d'argent, surtout ça qui manque, et un Todd. J'ai profité du calme solitaire de cet endroit pendant très longtemps. Franchement, c'était génial, mais je crois qu'il est maintenant temps que je rentre. Hop. Donc là... Ah, de la vie, je veux bien. Ça c'est... Oui, ça bien. Donc, je suppose que ça amène dans la salle du musée. Et ça sauvegarde. C'est le musée d'ailleurs qui reprend le j'ai l'impression le title screen. Mais le musée globalement reprend le title screen. J'avais pas fait attention la dernière fois. La ville. Bah oui, la ville reprend le title screen. Je repense à ce Todd que tu as sauvé, celui que tu parlais de la voie de combat, tu te souviens? Je tiens, on se trouve son labo, mais ça pourrait valoir le coup de faire un tour. Hein. En plus, il a pas d'un cadeau bienvenu. Ouais, c'est toi! Je veux dire quoi? C'est toi! J'ai Todd de la prairie picotin que t'as sauvé, celui avec le labo de combat. J'ai bossé comme un chien pour mettre ce labo à point. Entre donc et que je te le montre. Bon, et ben voilà. On va aller le voir, mais en fait, on le verra au prochain épisode, parce que ça fait déjà 35 minutes. Comme j'expliquais, je vais faire des épisodes très légèrement plus courts, de 5 minutes de moins. Mais ça me permettra d'avoir des épisodes qui ne mettent pas 2 jours à se ploder. Merci bien d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine. Et attention, si je me plante pas, on fait ça et...